n'est pas attendu quand on est analyste sur la question de l'écologie. En fait, c'est une expression qui nous vient d'un collègue qui, il y a déjà plus de 20 ans, a montré à quel point Lacan s'était intéressé à cette question et qu'elle intéressait les psychanalystes à partir de la question de la pollution que Lacan avait vue dans un texte qui s'appelle « Litturater » de l'avion. Il voit les sillons que creusent certains fleuves. C'est ce qui va l'engager à travailler sur la question de la lettre. Et ce collègue qui s'appelle Éric Laurent, qui a écrit un article phare dans notre revue, dit qu'il y aurait là les fondements d'une écologie lacanienne. Et donc on l'a interrogé sur cette question. On s'est dit, au fond, c'est vrai que contre tous les a priori, on est comme analyste concerné par cette question de l'écologie, non pas comme une question qui serait politique, comme un parti politique, mais parce que d'abord on est concerné au premier lieu par le lien social. Ce dont souffrent les patients, c'est dans leur rapport à l'autre. Et donc faire une analyse, c'est venir régler sa position par rapport à l'autre. Et aujourd'hui, bien sûr, comme analyste dans nos cabinets, on entend à quel point ce lien social touche intimement nos patients. Et donc, du côté par exemple de nouveaux diagnostics tels que l'éco-anxiété. Donc on s'est saisi de cette question. Ce qu'on a découvert, c'est que Lacan a beaucoup travaillé sur le lien social à la suite de Freud, hein, où Freud a d'emblée mêlé psychologie individuelle et psychologie collective. Lacan a fait un pas supplémentaire, il a une citation très connue qui est « En définitive, en fin de compte, il n'y a que ça, le lien social ». Lacan montre à quel point l'inconscient est touché par les discours courants. Hein. Donc bien sûr, la question écologique, la question des multiples crises qui s'imbriquent aujourd'hui résonnent dans nos cabinets. Mais Lacan, il en avait déjà parlé, lui, dès les années 70, puisqu'il s'est beaucoup intéressé au discours qu'il appelle le discours capitaliste, qui, dans une alliance certaine avec la science, produit toujours plus notamment de déchets. Et donc cette question du déchet, il va beaucoup en parler, il en fait même le signe de la civilisation humaine. Là où il y a civilisation, il y a pollution, il y a déchets, dit-il. Alors c'est vrai que ça c'est quelque chose que le fondateur de cette revue, Jacques-Alain Miller, qui oriente l'école de la cause freudienne et cette revue, a voulu. C'est-à-dire que cette revue mentale, qui est une revue de l'Eurofédération de psychanalyse, soit ouverte sur l'époque, dans un dialogue avec d'autres champs. Le signifiant mental, c'est pas un signifiant psychanalytique, hein, c'est un signifiant qui renvoie plutôt à toute la question neuro. Hein. Donc mental, c'est ouvert sur les discours contemporains. Alors c'est une revue qui interprète au fond les discours, où nos collègues analystes interprètent les discours de l'époque, mais où aussi on s'enseigne d'autres champs pour saisir un petit peu, comme je disais, cette résonance entre la façon dont ces discours contemporains marquent les inconscients d'aujourd'hui. Lacan a une phrase à Baltimore qui est très importante pour nous, où il dit au fond l'inconscient c'est la langue concrète, c'est le langage concret que par les gens. Vous voyez, donc pour revenir sur ce lien entre psychologie individuelle et collective. Et donc c'est vrai que Lacan lui-même s'est beaucoup intéressé à d'autres champs, bien sûr avec l'anthropologie, Lévi-Strauss, la littérature. Il a montré comment les artistes frayent la voie aux psychanalystes, hein, c'est-à-dire mettre des mots concrets, mettre en forme des choses que nous, on essaie de théoriser et qu'on rencontre dans la clinique. Donc ils ont toujours un temps supplémentaire devant nous. Et puis, c'est pourquoi on poursuit cette voie-là. Bien sûr, sur l'écologie lacanienne, il nous tenait beaucoup à cœur de rencontrer Bruno Latour, qui est quelqu'un qui lui-même a fait tout un trajet de l'histoire des sciences à la question écologique, à partir d'un point très intime. Il dit que c'est une angoisse qu'il a saisie au moment où ses doctorants lui ont dit, qu'ils avaient décidé, étant donné les prévisions des scientifiques, de ne pas faire d'enfants. Et il témoigne très bien du fait que ça a résonné très profondément chez lui et qu'il a voulu transmettre en quelque sorte cette angoisse autour de lui et du coup se mettre à travailler à plusieurs sur cette question. Donc vous voyez comment c'est un point très intime qui lui permet de se mettre au travail avec d'autres. Et au fond, nous, ça nous intéresse puisque c'est toujours d'un point intime qu'on part et ensuite on le sublime, on
produit un objet, nous-mêmes comme analystes, on a produit cet objet à partir d'une interrogation sur qu'est-ce que c'est que ce déni, qu'est-ce que c'est que ce sentiment d'impuissance. Tout ça, c'est quand même un vocabulaire très psychologique. C'est en ça que les analystes ont à dire quelque chose. Ce que disait Lacan, c'est que l'analyste doit se tenir à l'horizon de la subjectivité de son époque. C'est-à-dire, c'est pas un analyste retranché dans son cabinet, c'est un analyste qui est capable d'interpréter les discours, de saisir ce qui se joue pour un patient, pour le relancer dans son désir et qu'il puisse le relancer dans son désir et qu'il puisse être moins écrasé aussi par ces signifiants qu'on appelle maîtres de l'époque. Hein. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours, ça part toujours, si vous voulez, comme analyste, on va jamais penser d'un point de vue collectif. On va toujours penser d'un point de vue singulier, de comment relancer un sujet écrasé dans son désir. Donc évidemment, ça ne sera pas du côté de l'incitation politique, même si relancer quelqu'un dans son désir, c'est quelque part éthique et politique, puisque c'est en lien avec l'autre, comme je le disais. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Au fond, je parlais de déni, je parlais d'éco-anxiété. On assiste aujourd'hui à quelque chose qui se dévoile de ce que nous, on appelle, à la suite de Lacan, la non-existence de l'autre. C'est-à-dire, il n'y a pas de garantie. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a eu un certain déboussolement généralisé qui est apparu avec la pandémie, qu'on ressent aussi avec le réchauffement climatique. Comme vous le dites, il y a une forte inaction collective et qui conduit, au fond, à ce que les sujets se sentent comme ça soumis à une espèce de désorientation généralisée. Hein, soumis aussi à une certaine forme de mélancolisation du monde. Lacan dit que il parle de la montée au zénith social de l'objet A. Cet objet A, il est très compliqué à comprendre, mais on peut voir comment on est entouré de gadgets que produit le capitalisme et qui promettent de combler notre faille. Cette faille, elle vient de notre désharmonie profonde avec le monde. Et bien, ces gadgets, ils finissent dans des décharges et voire même par, c'est les déchets dont je parlais tout à l'heure, à l'occasion, on peut soi-même se sentir déchet quand on a été un petit peu trompé par cette idée qu'on pourrait être complémenté comme ça par les objets. Hein. Et donc, c'est un moment comme ça qu'un collègue qui s'appelle Guy Briol, qui écrit un très bel article dans la revue, nomme « mélancolisation du monde ». Hein. Donc, face à cette prolifération des gadgets qui ne comble pas notre manque à être, face à cette idée d'être écrasé, comme je disais, soi-même un déchet, on voit bien comment un certain nombre de sujets humains aujourd'hui sont traités comme des déchets. Il s'agit de pouvoir reprendre le cours de son propre désir à soi. La question du déchet, on y a affaire comme analyste aussi, puisque on travaille avec les déchets de l'inconscient, les rêves, les lapsus. Donc, vous voyez, il y a tout un fil qui est de ce côté-là et qui, au fond, on parie là-dessus. On parie sur le fait, c'est l'offre que fait une psychanalyse, de pouvoir retrouver le fil de son désir, de pouvoir s'écarter de cette mélancolisation qui traverse aussi aujourd'hui les sujets collectivement, pour pouvoir, du coup, retrouver une présence au monde qui peut permettre alors éventuellement de s'engager dans un parti ou alors d'agir soi-même. Voilà, mais ça sera jamais, on va jamais agir sur un groupe de personnes. Ça sera effectivement, c'est ça notre visée, à partir d'un point intime, un point d'angoisse intime sur lequel il s'agit de travailler. Alors, il y a dans ce que je nommais cette interprétation des discours de l'époque, il y a aussi essayé de voir comment je disais que Lacan avait montré à quel point les inconscients sont pétris par la pâte langagière de l'époque. Éloi Laurent, c'est quelqu'un qui a été, il nous l'a dit, il en a témoigné lors de l'interview, il a été marqué, baigné dans un milieu familial où on s'intéresse à la question de ce que les mots veulent dire. Et donc lui va déconstruire, c'est un économiste qui déconstruit de l'intérieur les présupposés économiques. Et ce qu'il appelle, c'est les mythologies économiques. Et il montre à quel point on n'utilise pas tel mot pour dire tel autre. Il est extrêmement précis et il montre ce que recouvre au fond le discours économique dominant et à quel point il s'agit de pouvoir dévoiler au fond un soubassement idéologique, hein, sous couvert de positions scientifiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que Éloi Laurent nous invite, comme on le fait dans le numéro, à relier les différentes crises pandémiques, crises
évidemment psychique que ça induit, mais aussi crise écologique. Et en ça, c'est vraiment très important, puisque nous-mêmes, comme analystes, on est touchés par cette question de l'inséparation foncière dans laquelle on est aujourd'hui. Lacan disait c'est très important qu'on puisse rester séparés. C'est structural, on a besoin de pouvoir avoir une certaine distance par rapport à l'autre. Et aujourd'hui, dans cette époque de marché globalisé, on voit bien, avec la montée des racismes, des ségrégations, à quel point cette séparation est importante. Et Loi Laurent nous apprend, lui, avec ses termes à lui, du côté économique, à quel point on est inséparé, à quel point les crises sont inséparées et qu'il s'agit de penser à partir de ça. On peut se dire que un patient arrive tenaillé, au fond, il arrive en analyse tenaillé par l'angoisse avec cette question de qui est aussi, pour le coup, un écrasement qui peut être vécu dans son travail, dans l'amour, un écrasement, une énigme par rapport à sa position dans l'autre. C'est-à-dire, là, on est du côté collectif. Hein, et il s'agit de se ressaisir de cette question de manière personnelle. Et on parie, au fond, que ce réveil-là, hein, essayer de se réveiller à son désir, finalement, pourra avoir une influence justement sur le lien social. Vous voyez, on dit, parfois on entend, certains patients peuvent dire à l'occasion, au fond, faire une analyse, c'est très bourgeois, c'est très narcissique, c'est très occidental. Oui, tout ça, mais il s'agit de régler, de prendre ses responsabilités dans son existence pour pouvoir régler au mieux sa position à l'égard de l'autre. Hein. Et ça, c'est quand même très précieux parce que ça joue, ça contribue au lien social. Les psychanalystes contribuent au lien social, en tout cas tels qu'ils sont orientés par Lacan, par Jacques-Alain Miller, la manière dont Jacques-Alain Miller nous a transmis l'enseignement lacanien. Alors, si on entend ce signifiant qui monte dans l'espace social, médiatique, d'effondrement, de catastrophe, d'apocalypse, dans ce petit article de la revue Mentale, je tenais à préciser la rupture dans laquelle il s'inscrit. L'apocalypse a une histoire religieuse. Il est question d'une faute commise par l'homme et d'une conséquence de son péché. Cette fois, le courroux n'est plus divin. Et le courroux a un nom qui s'appelle CO2. C'est-à-dire qu'au fond, cette forme moderne qui fait que on balaye les arguments qui consistent à dire « mais ça a toujours existé, les peurs d'effondrement de la civilisation, il y a une histoire de ces questions ». Là, ce qui est nouveau, c'est que c'est plus des civilisations qui se sont effondrées, des ouvrages ont été écrits, pour la première fois se pose la question de la civilisation, la vie humaine. Et pourquoi ? Eh bien parce que, désormais, c'est la question de l'habitabilité de la Terre, de la vivabilité biologique de la Terre, et c'est la question du CO2, voilà, le nom moderne du cauchemar de l'humanité. Il y en a trop et nous ne savons plus qu'en faire. Ça a des effets très concrets qui se manifestent dans la vie de tous les jours. Reste encore à vouloir en savoir quelque chose. Les spécialistes parle d'un point de non-retour, parce qu'au fond, quelque chose s'est passé dans les dernières décennies et maintenant, qui physiquement, géophysiquement, est un point de non-retour. On n'enlèvera plus la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. L'acidification des océans est en cours, ça ne s'arrêtera pas. Et il y en a pour, au fond, des décennies, voire plus. Pourquoi, au fond, des psychanalystes ont voulu traiter de cette question? Parce que d'abord, c'est l'écho qu'on en a sur les divans. Les gens, effectivement, en analyse, parlent de... C'est pas l'éco-anxiété, qui est un très mauvais terme, qui donnerait à croire que c'est une pathologie, qu'il s'agit de la corriger. C'est l'angoisse. L'angoisse, c'est le signal que quelque chose est là. Et qui se manifeste de plus en plus rapidement. Ce qui est très intéressant, c'est que la science, le GIEC, le dit, le démontre, l'argumente, et ça n'a absolument aucun effet. Je globalise, mais pour dire que par rapport à l'ampleur de ce qu'il y a à faire, on peut dire que presque rien n'est fait.
Donc, ce n'est pas une crise comme une autre. Et pourquoi elle a rapport avec notre rapport au réel? Eh bien, parce que, la Candide dit ça, le réel, on ne veut rien en savoir. On préfère garder nos fictions, notre fantasme, notre imaginaire, et ne pas voir ce qui est en train d'arriver. Qu'on commence à voir plus en plus, qu'on va voir encore plus cet été. Les réserves d'eau, là, sont au plus bas. Notre président Macron a déjà réuni les préfets pour prendre les mesures qui s'imposent. Ils ne le font pas, parce que ça ne va pas faire plaisir, parce que ça va fâcher. Pourquoi ça engage notre rapport au réel? Eh bien parce qu'au fond, on veut continuer à jouir comme avant. Pourquoi on a intitulé « Écologie lacanienne » ce numéro de Mental? Parce que Lacan avait, dès les années 60-70, déjà l'idée que quelque chose de notre rapport au monde était orienté, je dirais fomenté, par un discours particulier qui est le discours capitaliste. Ce discours consiste à dire que ce qui fait le manque à être de chacun, qui est lié au fait qu'on a un désir, eh bien, quelle est sa solution? Qu'est-ce qui doit y répondre? C'est l'avoir. Colmater ce manque-là avec les objets, les gadgets de la technique. Eh bien, comment pouvons-nous nous sentir comptables de la jouissance que nous avons avec ces objets au regard de la nature qui nous la permet? Et c'est là qu'il y a un effort extrêmement important à faire, et qu'on voit bien qu'on ne veut pas le faire, c'est que comment réaliser le lien qu'il y a entre ma petite jouissance avec mon smartphone, que je change tous les ans, ou de ma voiture que je lave tous les mois, avec la quantité d'eau nécessaire pour le faire, avec le lithium, dont on sait que ça a des conséquences au Chili, dans un certain nombre de régions, où la paupérisation des populations est gravissime, parce qu'on extrait des produits qu'il faut pour fabriquer ces produits. Ne parlons même pas des déchets et de où ces choses-là terminent. Donc on voit l'ampleur de la modification générale à avoir dans notre rapport au monde. C'est une question politique qui est qu'il y a à transformer notre façon de vivre. Comment nous mangeons, comment nous respirons, comment nous nous chauffons, comment nous nous déplaçons. On voit au fond que ce qu'on appelle le déni, c'est un refus qui a son fondement dans le fait de refuser la privation qui est en jeu, le changement de rapport à nos désirs, qui est absolument vital pour essayer d'atténuer ce qui est en train de se passer. Et l'eau, tout bêtement, j'en parle maintenant au mois de mars 2023, nous allons voir très vite ce qui va se passer, qui est déjà en train de se passer. C'est pour ça que j'avais dans mon article la petite idée que pourquoi le GIEC n'y arrive pas? Pourquoi les décideurs politiques se laissent tenir la bride par les grands industriels, par les lobbies des grandes compagnies, alors que tout le monde sait, on a appris qu'ExxonMobil savait déjà par les recherches qu'ils avaient faites dans les 70, que les énergies fossiles allaient disparaître et que ça allait produire une augmentation du CO2 dans l'atmosphère et donc un réchauffement climatique. Donc c'est là que vous voyez, c'est pas une ignorance. Alors changer notre rapport au réel, c'est le travail d'une analyse. C'était d'ailleurs moins être dupe de son fantasme, sortir de ses croyances, ses identifications, le surmoi qui pèse sur ma façon de me conduire dans l'existence. Et Lacan avait l'idée dans les 70 qu'au fond, ça justifie d'ailleurs le fait qu'il y ait des analystes. Pouvoir accueillir l'angoisse qu'il y a chez chacun. La revue Mental, d'ailleurs, fait place à une expérience tout à fait intéressante de collègues en Belgique qui ont créé un lieu de consultation portatif qui est ce qui existe déjà en France, un CPCT, Centre de psychanalyse de consultation appliquée sur un nombre de rencontres déterminées, gratuits,
qui a été ouvrir ses portes sur un espace de catastrophe lié aux inondations il y a 2 ans en Belgique. Voilà. Bon, voilà une réponse. La seconde plus massive, alors c'est une réponse qui est intéressante parce que Aurélien Barreau, astrophysicien notoire, a fait une conférence qu'il faut voir sur Internet auprès de l'école centrale, décapante, en commençant en disant que les ingénieurs ne sont pas la solution, que la technique n'est pas la solution au réchauffement climatique et aux désastres qui s'annoncent, c'est le problème. Donc, vous voyez l'effet produit. Il dit une chose intéressante, c'est que le problème est tellement grave, la préemption, l'empreinte écologique, la prédation humaine sur les ressources, sur la biomasse, qui sont amenées à disparaître. Nous parlons de, les chercheurs ont quand même parlé d'une 6e extinction de la biodiversité. Le problème est tellement systémique et structural que la question de ce que je peux faire individuellement n'a même plus d'importance. Ça, un psychanalyste pourrait lui répondre que c'est pas sûr. Ne serait-ce que pour le fait qu'Aurélien Barreau croit quand même à la vertu de sa parole devant des ingénieurs, d'en toucher quelques-uns. Et on sait que de plus en plus d'élèves de grandes écoles changent quelque chose de ce destin où ils se sont sentis programmés par ce que doit faire un élève de HEC, un élève de Polytechnique, etc. Donc, voilà... la part du colibri, comme disait Pierre Rabhi, oui, effectivement, chacun, dans son rapport à sa vie, peut changer quelque chose dans sa façon de vivre. Mais il est évident que ce rapport au réel, et c'est là que comment toucher les politiques, comment toucher individuellement les politiques. Pourquoi, après Fukushima, en Allemagne, Angela Merkel sent avec d'autres qu'il faut faire quelque chose. Arrêter le nucléaire, sauf qu'il se lance sur le charbon. Bon, pourquoi Emmanuel Macron nous dit le 31 décembre qui aurait pu prévoir l'année caniculaire et le réchauffement climatique? Bon, vous voyez que la question de comment toucher au fond quelqu'un et comment elle est déterminante. Alors c'est pour ça qu'on voit aussi des choses tout à fait extraordinaires, des savants qui quittent le laboratoire, qui se rendent compte qu'avec des arguments et des chiffres, et la courbe du CO2 et le côté irrespirable de l'oxygène dans lequel nous allons être, les enfants qui naissent maintenant auront 70 ans en 2100. Ils seront dans un monde qui est inconnu d'aujourd'hui, presque impensable. On parle chez les savants du GIEC de gens qui font des dépressions. Qui font des dépressions face à ce qui s'annonce et face à l'immobilisme total. Voilà pourquoi la psychanalyse est concernée. Le réchauffement climatique est doublement humain, on l'a provoqué, et on ne veut rien en savoir. Donc, il y a des savants qui décident de s'engager dans l'action militante, il y a des savants qui décident de passer sur le mode de la narration, du roman. Il y a quelque chose là qui est encore à explorer, chacun à sa façon, pour faire que on ouvre un peu les yeux et que... un peu comme notre président avec le nucléaire, qui est un désastre et qu'il veut relancer, nous ne disions plus face au gouffre vers lequel nous allons, en avant. Voilà, il faudrait qu'on arrête avec ce « en avant » alors que nous allons vers le précipice.